Putain, mais c'est qui, lui? Avertissement. Les images qui vont suivre peuvent heurter la sensibilité du jeune public. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, encore une fois, je mets mon passé à nu et c'est pour vous. N'oubliez pas l'équipe, le petit like, le commentaire, très important. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. On est déjà 200 à bien rigoler. Faites-vous plaisir. Je redécouvre avec vous de très, très, très vieux dossiers. Pour l'occasion, ce jour-là, on avait décidé d'organiser une petite soirée, un petit tournoi Black Ops 2 Only Sniper. Bon, évidemment, je ne vous apprends rien. Là, rien n'allait. La caméra de chez Wish, le son totalement éclaté et la qualité, mais qui venait d'un autre monde. Honnêtement, cette vidéo-là n'était ni fait ni à faire, clairement. Ah, le pseudo. Le fameux pseudo. Ce qui te permettait d'avoir la classe, ou non, d'ailleurs. Le fameux pseudo le plus éclaté, c'était moi, à coup sûr. XX Geek de France. Mais qui met ça? Qui met ça? Je vous avoue, j'ai été jeune, j'ai été con. Mais tu peux tout mettre. Mais tu mets pas ça! Éclaté! Bon, à l'heure actuelle, ce compte, ce pseudo n'existe plus. Et j'en suis bien fier d'ailleurs. Je viens de vous faire part d'une de mes hontes, c'était mon pseudo. Cet ancien pseudo m'avait collé à la peau pendant 3 ans. Heureusement, il a disparu. N'hésitez pas justement, mettez-moi en commentaire votre pseudo que vous avez pu porter. Le plus éclaté, le plus pourri. Dans les commentaires et je pense qu'on va bien se marrer et on va trouver quelques pépites. Allez-y. Bon, point positif dans cette ancienne vidéo, les sous-titres. Très important les sous-titres d'ailleurs. Vous avez dû les voir, vous avez mal aux yeux, moi aussi. Je ne pense pas que vous l'entendrez dans cette ancienne vidéo, mais on aurait pu entendre la console jouer du ventilateur comme jamais. Si je dois vous vendre la console, ça donnerait comme tu rentres dans ta chambre, t'allumes ta console, tu te croirais aux 24 heures du Mans. Limite un aéroport, tellement c'est un avion de chasse cette console. On peut clairement voir qu'à cette époque, ce Malcolm-là était très très bien physiquement. Quelques années plus tard, il y a eu quelques bugs dans le parcours. Il y a eu, comme qui dirait, quelques modifications apportées au prototype. Alors, je ne pense pas vous mettre la vidéo en entière, mais les meilleurs moments. Écoutez bien, c'est là que vous rentrez en jeu, c'est très simple. Si vous souhaitez voir la vidéo en entier, mettez-moi votre meilleur pouce bleu. Mettez-moi en commentaire que vous souhaitez la vidéo en entier, sans mon visage, sans mon commentaire, et vous serez servi. C'est très simple et c'est à vous de jouer. Après autant d'années, cette vidéo mérite vraiment d'être vue. Bon, et si on allait se refaire un petit pseudo? N'oubliez pas, le petit like, le petit commentaire, ça fera extrêmement plaisir. Si vous avez bien aimé cette vidéo, faites-vous plaisir. On est déjà 200. Venez rigoler avec nous, vous ne serez pas déçus. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. N'oubliez pas, la connerie n'est jamais finie. Sur ce, c'était Malcolm pour vous servir.